bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode du maître du donjon de Nullbuck. Nous allons accrocher des tableaux de pulet. This is a pulet. Ça c'est un pulet. On a quoi au rez-de-chaussée encore un appartement de Zangdar ici, très mignon. Très joli. Installer quoi? Des pièges par là, ok. Concept. Pourquoi pas. Je les move, le haut de Redax, au deuxième étage. Ah oui, ok. En fait, le pilier derrière, derrière le feu. Le pilier derrière le feu. Ok. Bon bah impeccable. On avait gagné également une bannière, il n'y a pas d'autre truc. Il n'y a pas d'autre truc, c'est très bien. Impeccable. Au choix de mettre une salle d'entraînement en guise de blocage au milieu. Bon, c'est encore autre chose, mais je vais pas pouvoir. Je voulais évidemment mettre un petit peu de la détection des ennemis. Par autre chose, je vais en faire un par ici. 2500 balles, bien dépensé. Waouh! 20 sbires assassinés! Quoi, le massacre? Ça, c'est un aventurier. C'est que des gardes, au moins, j'espère. Quoi, le nombre de gardes de niveau 10 qui sont morts? Ah non, il y a un nécromancien qui. Ah ouais, d'accord, il y a les nécromanciens qui ont passé aussi l'arme à gauche. Voyons voir. Au niveau du recrutement, les nécros c'est comment là? Il m'en reste un. On va se refaire un stock de nécromancien. Cultiste j'en ai un, ça suffit. Phare magicien j'en ai 0. C'est de s'en mettre de quand même sous le coude. Des espions j'en ai 9, j'en ai perdu un. Au moins un, des bourreaux c'est bon. Les artisans. J'en ai un nombre. Qualifierait de satisfaisant. J'ai 5 orcs, 3 elfes, 3 humains. Bon, c'est effectif là, je comprends. Ok, ok, bon, bah ça fera l'affaire pour l'instant. Très bien. Il faut sacrifier des sbires. Ah oui, donc bah s'il faut sacrifier des sbires, c'est tant qu'à faire. Récupérons un ou deux balayes. Voilà, voilà. Hop, on va ici. Nous, on a récupéré du sbire de niveau 1. Sacrifie! Sacrifie-le au Goldbarg! Le Goldbarg à fin. On a fait de jolis planques au Goldbarg. C'est joli comme tout chez vous. Il faut déjà tout rajouter. Hein. Comment ça? On sait, il y a des révolutions populistes qui viennent de se lancer. Non, ça, je l'ai pas mis. Bel effet mon ami. Oh là là, ça c'est beau Polo. Jetez-lui du détail. Moi je veux bien qu'il y ait des grèves. Hein. Je suis très d'accord avec ça. Zangdar t'es où? Par contre faut arrêter de faire des grèves secondes. Je piche pas tout. Faut arrêter de faire des grèves secondes. Maître, c'est la pagaille. Il y a beaucoup trop de démons. Le Goldbarg a massacré les cultistes qui les tenaient. Il est pénible. Bah, nous avions sans doute invoqué trop de démons mineurs, de toute façon. Mais c'était si distrayant et excitant. Ces sacrifices m'ont rendu tellement... Bien. Je vais aller planifier un petit raid pour me changer les idées. Oui, bon... Il me faut peut-être un peu d'aide magique pour gérer la problématique démoniaque. Il y avait cette petite annonce pour un mage consultant. Je vais lui écrire. Enfer et robinet de douche, je n'aime pas ça. Voilà. Ceci étant fait... Satan ! Je veux des appartements dignes de ma puissance ! Je ne supporte plus ce taudis ridicule ! Je vais massacrer les parasites qui te servent jusqu'à ce que je sois satisfait ! Par la chaussette des Ulufs, il faut trouver quelque chose pour le calmer.
Que diriez-vous de nous en prendre à Xor? Lors de notre précédent raid, nous avons justement localisé le campement d'un de leurs généraux près des grottes d'Aogd. Misère, mais c'est tout près d'ici. Les serviteurs du grand tentaculaire se rapprochent. Parfait, qu'on attaque et qu'on pille les trésors de ce général de Xor. Il y aura certainement un objet démoniaque pour satisfaire le Golbarg. Allez! Affirmatif. Opération Ravage Sournois en préparation. Okay. On a du boulot. Ça part. Alors, avant que ça se termine. Des gardes de orc gobelin troll. Oh bon, ça c'est royal. Hop là. Du garde orc. Tac, tac, tac. C'est censé pas être trop dur, donc on va y mettre les petits loups, comme on dit dans le milieu. Peut-être un gobelin qui veut monter de niveau, voilà, parfait. Excellent, ça c'est parti. Ça c'est quoi? Opération Ravage Sournois, c'est ce qui nous intéresse. Des gardes barbares. J'ai pas ça, je crois. Je crois qu'on n'a pas ça. Hop là. On n'a pas de barbares. Nous n'avons pas de barbares. Mettons des humains. C'est ce qui se rapproche le plus du barbare standard. Et un type de bas niveau. Ça rend toujours bien un type de bas niveau. Genre un nain. Parce qu'on aime bien les nains. Donc ça, c'est lancé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a toi. Des gardes... non, celui-là, c'est bon. On l'a lancé. Celui-là, il n'est pas lancé. Celui-ci. Des artisans gobelins. Alors ça, c'est royal au bar, bien sûr. On adore. On va se prendre du nain et du gobelin, les deux. Parce qu'en général, les gobelins ont un très bon niveau. J'ai dû me faire massacrer mes gobelins en masse. Hein. Ah bah du coup, ce sera que les gobelins. Impeccable. Et ici, de quoi s'agit-il? Des orques, il faut envoyer des orques. Ça. C'est ce qu'on aime. Et d'après ce que j'ai compris, ce sera que du garde-orque. Hein, en gros. Hein. Ouais. À moins que j'arrive à trouver un nécromancien orque dans ma poche... Peut-être même te remplacer toi par un autre 6. Voilà. Ça prendra du niveau. Hop, on va s'envoyer ça. Il y a des trucs à aller chercher. Allons les chercher. Hein. De l'espion et du vampire. Eh ben, on n'est pas dans la sauce. Oui, parce que vampire, il ne les mettra pas. Ce sera que de l'espion. Voilà. Basiquement. Un petit pillage qui rapporte combien? Et des flingues? Allez. Allez les gars, on se motive. Hein. On va chercher un petit billet. Hein. On se motive. D'ailleurs, en gestion financière, ça donne quoi? On vend 100% des armes, on vend 100% des outils, on vend rien du tout. Il faudrait que je refasse une salle de garde uniquement pour l'information. On n'a pas de salle de garde dédiée à l'information. Et pourtant, c'est relativement nécessaire. J'ai bien envie de la mettre par ici. Rajouter une autre salle de garde ici. Alors, j'ai refait une autre partie en off, en mode libre. Parce que déjà, il y a un succès pour lancer une partie en mode libre. Donc, du coup, je l'ai pris. Ah oui, je pourrais mettre 2 tables d'informations, je gagne quoi comme place? Ouais, sympa. Il faut garder du couloir. Hein. C'est relativement important de savoir garder du couloir. Voilà. J'en mets plus que ça. Ah si, peut-être justement... Hop, moi sauter ça, et du coup je mets 2 tables. Ça comme ça. J'ai rien mis de bien fou, sauf que ça va me permettre de te vendre toi, de vous vendre. Je sais pas, je vais me déplacer dans un coin. Comme ça. Très beau coin. Hop. Superbe tapis. On va se rajouter
quelques cahiers de renseignements. Par contre, je pourrais pas prendre le ouais. On se met du casier de renseignement. Hop. Adjugé. Je dois pas avoir toute sa salle de garde. Je vais en avoir une ici aussi. Ça, c'est vendu. Ça, on doit pouvoir stocker beaucoup plus d'informations, beaucoup moins ça. On en est où? Ah, on est pas, c'est pas suffisant. Ok, bon, c'est pas suffisant. Ok. C'est des victoires à tour de bras. C'est des victoires partout. Obtenir la bannière d'une guilde, il faut juste des gardes. À moi, la garde. Un garde qui doit monter de niveau. S'il vous plaît. Le garde qui doit monter de niveau. Ouais, c'est un peu léger. Des espions, des orques et des barbares. Waouh. Deux orques. C'est important d'envoyer un chef cuisinier, ça me paraît vital. Celui qui n'envoie pas un chef cuisinier, je pense qu'il a perdu quelque chose. Oh, c'est bon. Joli combo. Voilà. Et donc on a gagné des tas de trucs. Tac 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 tac. Une autre bannière, superbe. Une autre bannière. Je sais même plus où je les mets les bannières. Ça dans la salle d'entraînement, ça fera très joli. Magnifique salle d'entraînement, les gars. Seigneur Zangdar, nos sbires sont revenus du camp des troupes de Xor, dans les grottes d'Aogd. Ah, pas trop tôt. Alors, avons-nous un objet magique puissant à donner au Golbarg pour le calmer? Eh bien, ils ont expliqué que les consignes étaient peu claires et ils ont pris le premier objet magique venu. Ils ont ramené les pantoufles de Grimash le sanguinaire. Quoi? Vous vous moquez de moi? Je vais vous changer en descente de lit! Nom d'un coyote boiteux! Tous aux abris! Oh, alors t'as ramené des chaussons, mec, fais pas la tête! Pile d'os, augmente le prestige de la salle. Est-ce qu'on se laisserait pas un petit tas d'os là sur le bas-côté? Du plus bel effet. Il faut absolument trouver des objets magiques démoniaques pour le Golbarg avant qu'il n'entre dans une nouvelle crise de massacre. Nous pouvons relancer une attaque sur les troupes de Xor. Les grottes d'Aogd ont sans doute reçu des renforts suite à notre raid. Donc, de nouveaux objets. Affirmatif. Éléments commando disponibles pour raid d'acquisition sous la contrainte. On va les saigner. Opération Tempête démoniaque. N'échouez pas cette fois. Dans votre intérêt. Et donner des consignes claires. Je veux un objet magique puissant qui appartient au général de Xor, et pas un vêtement ridicule. Bien, maître. Il sera fait selon vos... désirs. Oui, bon, je vais travailler. Ma sphère, l'entropie, la vulnérabilité, tout ça. On y retourne. On va casser de la gueule aux cultistes. Ouais, ça c'est quoi? Ah non, mais ça c'est vivant la bière sous pression. C'est déjà bouclé. La tempête démoniaque, c'est bon, on y est. Des gardes, barbares, espions, vampires. Oh. Vampire, tu m'as dit? J'en ai un. Il est nul, hein. Espion, m'as-tu dit? Ils sont nuls, hein. À moi la garde? Ah. Faut
Non, c'est aussi bien avec un... Un vampire, je vais prendre un vampire. Comme ça, ça va faire XP le coup. Évidemment, en termes d'informations, ce qui me déplaisait, c'est qu'on n'était pas hyper large. Et ici, on peut rajouter une armoirette. Hop. Parfait. Sbire assassiné. Alors, ça s'est passé au deuxième, ça. Troisième, ça s'est passé. Ah ouais. Il y a eu la casse. Au moins, il n'y a que des gardes qui sont morts. Sur le côté positif. Okay. Un fou, on est quasiment bon. Il faut que je fasse une salle. Allez, où elle est au deuxième hein. Un peu plus grande que ça. Quoi. La taille est un peu limite. Je peux pas la tirer trop vers l'avant. Parce qu'elle est plus jeune. Et puis on va se le faire comme ça. C'est pas joli, mais je m'en pète un peu quoi. Artisan, elf, troll, banquier, oh, ce bazar. Elf, des artisans. Un banquier. Un banquier et un troll. Je sais pas combien, 79%. Comment un troll de niveau 10 et un banquier éclaté. Entraînez le banquier. Entraînez votre banquier. Entraînez le bien quoi. Ça peut un peu caché. C'est un peu pas glorieux. Les sbires sont revenus de leur raid contre les troupes de Xor. Il faut prévenir le maître. Silence! Surtout pas! Oula! Si ça complote, ça m'intéresse. Les messes basses, ça c'est toujours les meilleurs coups. On en cause à la taverne? Allez, je sers trois godets. C'est pour moi. Mais quoi? Ils n'ont pas trouvé un objet magique appartenant au général de Xor? Si, mais... Nous sommes entourés de boulets. Ils ont bien pris un objet personnel du général, et pas un vêtement. Ils ont le service à thé de Cormax le massacreur. Tout est à refaire. Les consignes étaient peu claires. Mes hommes sont des guerriers farouches, pas des brocanteurs. Ouais, c'est vraiment pas des brocanteurs, quoi. C'est pas des flèches, quoi. J'ai une nouvelle idée de raid afin de trouver un objet magique pour le Golbarg. Des reconnaissances ont signalé un camp de Xor sur les bords du lac de Zblouf, près du village de Grask. Ils poussent leurs pions de plus en plus près. Je me demande ce qu'ils préparent. Très bon pinard, d'ailleurs, le côte de Grask. Il râpe un peu, mais il est fort. Ça compense. S'il y a un raid qui part, je veux bien qu'on en ramène quelques barriques. Nous sommes censés trouver des mannes démoniaques, pas des pichets de piquettes. Affirmatif. Les commandos d'infiltration ne sont pas titulaires du brevet de commis de cuisine. Lançons l'opération déferlante vineuse. Chut, il faut que nous soyons discrets. Si le maître apprend que nous avons encore échoué, il va se mettre en colère et nous faire fouetter. Et voilà, problème réglé. L'abbé de Glarg nous consent un tarif préférentiel. Ah oui, au moins on a réussi ça. Et maintenant, tournée générale. Affirmatif. La bière pour le mess, c'est bon pour le moral de la troupe. Et torturer un moine était... assez stimulant, en fait.
ils sont faits du bocal, ils sont magnifiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore une bannière incroyable, une bannière de guilde. Il y avait une bannière de guilde, là, ça me fait plaisir. What else, on a dû ramasser d'autres trucs. Pas de paillasson, pas de chaussettes, on est bon, on a tout fait. Allez, on va arrêter. Déferlante vineuse. Oh, on va looter un tapis. Incroyable. Garde, barbare, espion, vampire. J'ai plus. Au secours, des gardes, vite. 1, 2, 3, soleil. J'ai pas un vampire qui est rentré entre deux, si. Vas-y, ça part. Ouais, ça part. Ça entraînera toujours un vampire. Toujours ça. Toujours ça. Tiens, d'ailleurs, on va en recruter un niveau 5. Ça sera utile. Tac. On est comment bancairement parlant? 61 000 balles, ça va. La file est énorme. Faut que je rajoute une banque. Vite. Il vient de nulle part, on peut ajouter une banque. C'est vraiment. C'est le désert de la misère. Hein. Il n'y a pas un troisième. Ah bon. On peut se mettre ça là. Une autre salle au trésor. C'est jusque là. Ok, t'es un peu trop large. Voilà. Ok, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 fois 2, 10. Ici, il faut du banquier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il en faudrait 10 aussi en bas, je crois. Pourquoi j'en ai pas? Je vais en avoir 20 normalement. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça, j'en vais en avoir 20. Il faut 20 gars. Bon, j'ai doublé les effectifs. Normalement, on n'a plus jamais aucun problème de banquier. Jamais. Il n'y a plus Jaja. Ici on est bon. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Ça, j'ai pas trop pour le traficoter. Ça fait l'affaire. Dévertir. Magicien. Oh, c'est bon, c'est pas bon, faut savoir ce que je fais. Coup c'est bon, coup c'est pas bon. Donne-moi ça. Divertis un phare magicien. Les mecs meurent pour tricoter. Je sais pas ce qu'il faut. Artisan, elf, manque, il faut. Envoie-moi un cuisinier. Cuisinier elf, un banquier nain, évidemment. File-moi un banquier. Voilà. Un artisan. Hop. Un troll, s'il vous plaît. Ça va prendre un tonneau. Hop là. J'ai encore la place pour quelqu'un. On va se rajouter un elfe. On va aller chercher un balayeur. C'est important de faire monter le niveau des balayeurs. Hyper important. Espion, barbare, vampire. Je fatigue déjà là. Je suis déjà en bout de course là. Tac. Et on va faire venir un vampire. Alors, ça ici. Liste des courses. Juste des espions. Exclusivement des espions. Il y a
qui celle-là. Celle-ci uniquement des espions. J'ai plus rien là, j'ai plus de stock les gars. Rajoutez-moi plus d'elfes noirs, on va envoyer que des elfes noirs, c'est mon cadeau. Mon cadeau c'est de t'envoyer de l'elfe noir. En étant particulièrement désespéré avant tout. Tiens, un nécromancien. Oh la catastrophe. Bon, bah bon courage les gars. Le plus important, c'est de serrer les fesses. 22 cadavres. Non mais 22 cadavres, ça va pas tuer 22 gardes. Là ça a massacré tout le monde. Nécro 2, 10, ça a l'air de se tenir. Hein. Nos troupes sont revenues de Grask. Alors, ils ont trouvé un objet magique? Oui, mais apparemment après avoir trouvé le vin. Ils ont ramené le tapis de salon de Svaltoral le balafré. Affirme. Code alerte. Mal au crâne. Régénération orga. Misère et fiante coyote. Surtout pas un mot au maître. J'avais prévenu. Il est costaud le pinard de Grask. Les bonnes années, on peut y flotter à la surface tellement il est épais. Mec, il est content. Torturer un prisonnier jusqu'à remplir sa jauge. Ah, ouais. Mais on a looté quand même des tapis, des machins. Ah non, bon, oh, tiens, un cadavre. Très joli, du plus bel esprit. Ah bah du coup, il faut que je prenne un assaut maintenant. Ah, c'était là, ça c'était le mur à bannière. On a débloqué un nouveau truc. Attendez, on va pousser les murs là de cet établissement. Nos appartements. Du coup, je peux rentrer ça. Non, pas. ça rentre pas. Alors, c'est pas que ça veut pas, c'est que ça peut pas. Ça, c'est hyper beau. Non, je veux le tourner. Je vais prendre ça là. Et... Non. Non, ne sont pas reliés. Il y a des trucs qui sont. Ah, parce que du coup, il n'y a plus de porte qui mène ici. Attends. Qu'est-ce qui te dérange là? Je sais pas. Pourtant, tout est accessible. Qu'est-ce qui te dérange? Ah oui, oui, non, je vois ce qui te dérange. Ok. Je vois ce qui te dérange. C'est que j'ai laissé la cuisine ici. Ok. Donc, valide ça déjà. Enfin, je trouve une place pour mettre le maxi best-of comptoir. C'est pas le plus facile. En vrai, je trouve que c'est pas le plus facile, mais j'enculais. Je comprends. Une table de jeu. Des guillemets, là. Deux tables de guillemets. Normalement il va se passer un truc. Je trouve des machins. Ah voilà, ça a rajouté un bon petit cran quand même. Pour le reste ils vont le réassembler, ça va pas changer grand chose. J'ai forcément perdu un peu parce que j'ai perdu le mur des bannières. C'est pas trop grave, on va se rajouter de la bière qualité fluide. On s'en met deux fûts. Calme. On a muté de plus. Allez. On se met dessus, on va revenir dans la course un peu.
pas de clients dans la file. Qu'est-ce qui ramène du pognon là? Ça c'est 20 balles, elle fait une. Ah, on veut plus quand ça m'intéresse. Ils sont plus hauts, c'est trop pognon ça. Ah, 4 balles, ça meuble. Qui ressemble à rien, mais faites-moi une talent qui ramène du pognon. Merci, ça serait cool. On passe hors des mains. Ça part. Ah non, je me suis fait attaquer pour ça. J'ai pas fait gaffe qu'on s'est pris un petit assaut, ça fait du temps. On s'est fait casser le cul. Les espions, des barbares et des vampires. Oh mais arrêtez. J'ai plus rien. J'ai plus rien de disponible. Hein. Des gardes. Ah ça j'ai. Ça j'ai. Prenons des gardes de moins bon niveau. 8 et parfait. Récompense la chose de présent, donjon tutoriel de terre de Fang. Ouais, il faut un milliard de trucs. On va faire artisan et banquier, hein. J'ai surtout ça, quoi. Tac, tac. Tac, tac. Un petit banquier là qui traîne, hein. Oui. Artisan et banquier. On va mettre la même couche. Tac. Tac, tac. Que des nains. C'est rare d'envoyer que des nains. Artisan, banquier, elf troll. Oh. Allez. Ça. Tac, elf. Et troll, s'il vous plaît. Un elf, un troll. Et un troll de niveau 8. Peinture de Bjork. Des espions, des barbares, des vampires. J'ai plus rien, les gars. Arrêtez. Ouais. Ah, si, j'ai récupéré de l'espion pas trop fatigué. Je t'envoie même que ça. Ah, oui, mais il faut 250 infos. Hein. C'est... Il va falloir laisser prendre une pause, les gars, parce que là, ils en peuvent plus, je crois. Bon, on a remonté un peu, la file d'attente est toujours vide. Hey Vax, c'est quoi ce courrier stupide qui me demande de libérer une soi-disant princesse que j'aurais enlevée, sous peine de destruction? Comment? Faites voir. Je vois, c'est une erreur postale. Il s'agit d'une lettre du clergé de Brave pour un certain Drasgan le Fourbe. Le clergé de Brave? Ils existent encore, ces rabat-joie buveurs d'eau? Loyaux. Bienveillants, dévoués, charitables, courageux, des gens parfaitement malsains et infréquentables. Je vais renvoyer ce courrier à l'expéditeur, maître. Attends, je ne vais pas me laisser insulter de la sorte. Qu'on prépare immédiatement des représailles. Mais ce n'est qu'une erreur de postier dyslexique. Et d'ailleurs, nous n'avons même pas de princesse en otage. Cela peut s'arranger si facilement. J'adore torturer ces petites pimbèches de la noblesse. Elle aussi adore défoncer des pétasses, mais... On s'amuse, hein. C'est ça. L'espace commence à être une problématique. Je pense que... Vu qu'on a un peu de budget, je vais me permettre une excentricité. Le bureau de Zangdar et je vais reloger le patron tout en haut avec son petit pote le Goldberg. Moi je pense c'est une excellente idée. Voilà, on se met juste là, du plus bel effet. Installons notre maître du donjon proprement.
Voilà. Je pense que c'est important. D'installer convenablement son seigneur maléfique. Le maître. Installer convenablement le maître. Ça m'inspire pas comme décor. Hop, ça fait tout ça. C'est un peu trop optimisé. Ça me dérange un peu. Bon, c'est pas mal d'avancer. Tu rentres. Prochaine chose que tu vois, c'est son tableau. Tableau du mec au calme. Ça c'est bien. Ça j'aime, j'apprécie. Ça j'aime beaucoup. Petite table, on verra. Faut que je pose une cheminée. Donc on pose une cheminée. Voilà, donc on rentre, bien sûr, on voit les looks légendaires du boss. Ça c'est très important aussi. Il faut les voir tout de suite quoi. Faut savoir, bon, faut qu'on lui pose de quoi faire sa toilette, évidemment. Hein. Donc on lui fera des toilettes séparées, hein. ça paraît évident. Des trucs de seigneur maléfique, voilà, qui vont bien, des chandeliers partout. Voilà. Peut-être bouger ça, on va peut-être laisser passer autrement. On verra bien. Le petit chandelier à côté du lit, le petit chandelier par là. Des chandeliers. On peut se permettre d'en mettre partout, on est seigneur maléfique. Voilà. Bon, je mets ça ici, c'est bien en milieu, c'est bien en vue. Deux chandeliers à contour là, voilà, à surcharge, hein, à surcharge évidemment. La sobriété avant tout, donc de la surcharge, je vous prie. Ça plutôt comme ça, et un très joli coffre par ici. C'est le seigneur du mal, on peut rajouter du coffru, il faut bouger ça, on peut rajouter du coffre, voilà. Quand tu rentres, tu sens que tu as changé d'ambiance, quoi. Donc ça, tu me poses ça dans un coin en attendant que on décide de s'aménager. Ah, bah une petite cheminée par là. Ah, ça me paraît très bien. Ça me paraît esthétique. On peut déjà se cloisonner dans une salle de bain, là, par exemple. Tout à fait faire ça. Seigneur maléfique, au cas où, un petit coup de mou. Moi je dis un château c'est ça repas. T'es seigneur du mal, tu te lèves le matin, t'es un peu mou, tu vois. On commence à venir te parler de problèmes, de bon matin. Bon les mecs sont lourds. Toi t'as pas envie. T'es en repos. Tu t'es dit c'est ma journée sans entropie, laissez-moi tranquille, t'avais envie de prendre une pause. Les gars ont décidé de te saouler, bon, un petit château, c'est ça repas, quoi. Bien sûr, des posters épiques, des aventures épiques du seigneur local, évidemment. Ouais, non, c'est ça avec l'équipe, c'est pas un, juste celle du seigneur du mal. La mouche dans les toilettes, bien sûr, très important. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, la tête de Revax ou pas loin, on peut accrocher ça dans un coin. Le poulet. Tout le monde aime bien le poulet. Le poulet, on l'accroche. Voilà. Voilà. Alors, les vrais tableaux du seigneur du mal, évidemment. Ça, c'est vraiment dommage que ça puisse pas servir de mur. C'est vraiment triste. Ouais, complètement, ouais. Ouais, ouais, on peut faire ça, là. Voilà. Par exemple. Un machin elfique. Du plus bel effet, voilà, ça fait toujours bien. Les elfes, ça fait classe, hein. c'est le côté pratique, c'est que ça fait classe. Quoi. Tu sais pas quoi mettre, tu mets une tête d'elfe, t'accroches une tête d'elfe quelque part, bon, bah, ça fait propre, quoi. Ça fait bien rangé, quoi. En plus, on va pas tarder à avoir notre tableau de demi-heure qu'on va pouvoir ranger par ici, ça va être incroyable. D'ailleurs, on va peut-être se mettre ça par là, on va avoir notre tableau de demi-heure qu'on va pouvoir accrocher par ici. Faites tourner, hein. Je suis notre seigneur du mal, après il va être stressé là. Voilà. C'est déjà 5 étoiles.
Je suis pas allé hyper loin parce que ce qui m'intéressait c'était de pouvoir récupérer cette salle. Ah ouais, mais je suis pas pour la récupérer tout de suite. Et de toute façon, il va bien falloir mettre à un moment donné un terme à cet épisode. Voilà, la peinture de demi-orc. Il faut envoyer que des espions. J'ai pas ça. Hein. Si j'ai. Oh, j'ai la fine équipe. Let's go, la fine équipe. Ah oui, mais 250. On a pas 250 infos. C'est vrai que c'était un peu la problématique. Notre objectif, si l'on est, c'est probablement de supprimer ce couloir. Laisser toute la taverne occuper cet espace, vendre cette salle. Voilà, on a deux salles d'entraînement en fait. Mais oui. Vendre cette salle. On va rajouter. Cette salle est vendue. Vendre des trucs. Les pièges, c'est génial, le problème c'est que tes meubles les déclenchent tout seul en venant les recharger, donc en fait ils se suicident, donc c'est très con, donc ça dégage, même si ça a tendance à être un petit peu efficace. Prenez-moi de l'argent. Dépêchez-vous, je veux des thunes. Je veux être à l'aise financièrement. Bon. Tac. Voilà, petite taverne qui se respecte. On va pouvoir se mettre des petits comptoirs qui se respectent, mais d'abord, agrandir. D'abord, on agrandit. Voilà. Alors, attendez. Il faut que j'attrape un sbire. Orc prêt à faire des trucs. Non, ça, celui-là, il a moins. Et je suis employé, pas l'arbin. Bientôt la paye. Oui. Voilà, c'est ça que je veux. Attrapez-moi ça. Pokémon, attrapez-moi celui-là. Et au cas où ça se passerait mal, attrapez-moi ça aussi. Voilà, c'est bon, je crois que c'est attrapé. Il y en a un qui s'est fait choper, je crois. J'en ai topé un. Voilà. J'ai une prison. Oui, j'ai une prison. Venez manger ça ici. On ramasse des trucs. Ouais, on a pris des machins. Franchement, on est trop fat. Bon, est-ce que je peux envoyer mon armée de gars aller me chercher cette peinture de demi-orc, s'il vous plaît? Mes volaires. Oh, mes volaires compris un niveau. J'ai l'impression qu'il y en a quatre un niveau. Discrètement, mais sûrement. Étagère de collectionneur. Oh, très important, ça. On a du vampire de niveau qui est revenu à niveau 2. Bon, bah, il faut... Faut y aller, hein, mon dieu, faut falloir faire pexer, hein, donc. Et puis du garde. Bon, on va mettre un garde elfe noir tant qu'à faire. Hein. On va faire ça proprement. C'est fait proprement. Et ici, faut juste des gardes. Des légions de gardes. Envoyez-moi des gars. Et des infos, mais on en a pas. Bon, bah. C'est la première fois. Voilà. Jusqu'au bout. Ils seront torturés jusqu'au bout. Un peu de baume au cœur, allez-y, donnez-vous un petit peu. Il y a des décors à rajouter là-dedans. Je peux regarder entre deux. Bon, j'ai déjà la table de torture. Mais non, mais. Hein. Sors. Non, mais. Je peux pas en finir un, ah, voilà. Finis-en. Oh, voilà. Vous êtes toutes les. J'ai deux. Ça, j'ai deux bourrons, on peut y aller. Hein. Je sais pas ce qu'il veut. C'est bon, ça va mourir ça. Vous voulez pas, hein?
hamster de compagnie. Ça me paraît vital, un hamster de compagnie. Ça me fatigue. Juste des gardes. Ah, juste des gardes, c'est très bien. On se le fait. Juste des gardes. Just the guard. Voilà. Parfait. Allez. Est-ce qu'on peut juste se finir ça? Je me dis, on se fait ça, là, vite fait. Petite torture. Torture qui va bien. Arrêtez d'entretenir cette salle. Vous faites du mal. Voilà. T'es sérieux? Ah, c'est bon, t'es mort. Excellent. Cette fois, c'est la bonne. En interrogeant un prisonnier, j'ai appris qu'un convoi de matériel maléfique arrivait du château de Xor, directement pour le camp des grottes d'Aogd. Parfait! Il est sans doute bourré d'armes et d'objets maudits. Cette fois, pas de vin, pas de tapis de bain, pas de pantoufles et pas de théière. Je m'en occupe personnellement. Cette fois, je vais ramener quelque chose de bien brutal. Affirmatif. Nous engageons toutes les unités disponibles. Opération Ouragan Farouche engagée. Les mecs sont fâchés. Oh, c'est une chose noire. Ils aiment la torture. Voilà. Et bon, on va pouvoir se laisser sur cette brutalité. Ouragan Farouche. On va mettre du garde. Voilà. Alors vu qu'elle a dit qu'elle s'en occupait personnellement, on va même préciser que du garde elfe noir. Voilà. Le raid est lancé. C'est pas bon ça? Et je vous remercie, c'était Knarfank sur Club d'Habitude Gaming pour le donjon de Nullbuck et je vous dis à la prochaine. Ciao.